Coucou, mes rayons de soleil. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de l'orgasme. Comme vous avez vu le titre, Alexa, stop. Alexa, pause. Comme vous avez vu le titre, Razman est-il incompris ou est-ce que Razman est une mauvaise personne? Voilà. Est-il une mauvaise personne ou es-tu incompris? Voilà. Je ne connais pas Razman. Je ne connais pas trop ses vidéos. On va écouter un peu sa musique. Je vais vite partager pour on va rentrer dans le sujet. Donc, vous pouvez commenter en bas et partager massivement, s'il vous plaît. Et aussi que ça arrive dans les oreilles de Razman, s'il vous plaît. Bonsoir, Rwamba. Merci beaucoup. Alexa, play. C'est le Burkina qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Partagez massivement, s'il vous plaît, parce que je veux que Razman écoute ça. Merci pour les partages, merci d'être connecté. Donnez-moi quelques minutes seulement, on va parler. Parce que ça va se casser, ça doit se casser. Le respect sera imposé. Partage fait. J'ai envie de danser un peu pour vous les gars. Excusez-moi, j'ai fermé derrière parce que il y a le soleil. Voilà. Voilà, Razman, Alexa, volume low. Donc, Alexa, volume low, please. Donc, Razman, est-il incompris ou bien est-ce une mauvaise personne? Je ne connais pas Razman. Razben, je le vois sur la toile dans ces temps-ci. J'entends les gens parler mal. La dernière fois, il y a une collègue qui m'a envoyé sa vidéo où il était nu. On dit, Razman, j'ai dit, est-ce qu'il est du Burkina ou quoi? Tu vois un peu? Voilà, moi j'ai mis sa vidéo sur mon profil. Voilà, mais je vois que les gens sont, il y a des blogueurs qui ont parlé de lui, qui ont parlé mal de lui, tout. Et ce matin, je me suis réveillée, dès que ça allait sur Facebook, je suis tombée sur la vidéo. Donc j'ai écouté. Et maintenant, la question me reste posée. Razman, est-ce une mauvaise personne ou une personne incomprise? Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Donc, moi, j'aimerais dire ici, vous voyez, il y a Arafat, par exemple, qui a été bien, qui a beaucoup fait pour ses collègues musiciens. Il avait son côté positif et côté négatif. Mais on s'est focalisé sur le côté négatif. Et aujourd'hui, Arafat n'est plus. On dit « he's no more » en anglais. Aujourd'hui, Arafat est parti et on a cette douleur-là. Maintenant, on voit sa valeur. On a boycotté Arafat. Ils ont dit même « ne partez pas à ses concerts, ne partez pas à ses concerts ».
et ils ne sont pas partis. On ne sait même pas si Arafat, c'était un suicide ou bien c'était vraiment un accident. Mais le fait qu'on a boycotté toutes ces choses, ce n'était pas bien. Donc, mes frères et sœurs, moi, j'aimerais dire, Razvan, moi, j'ai regardé, puis j'ai posé avec tes frères et sœurs burkinabé. Apparemment, Razvan a beaucoup fait pour la culture burkinabé, pour la musique burkinabé. Ce que je vois, Razvan a la rage de vouloir évoluer dans sa carrière. Il a la rage de voir la musique burkinabé aller loin, international. Donc, il se tue, il fait beaucoup pour la culture burkinabé. Mais en même temps, il a dit dans sa vidéo que nous, les Burkinabés, on ne le suit pas, on ne l'a pas supporté. Il a fait son clip. Ce clip-là, il a mis, c'est à cause de ça, grâce à ça, j'ai connu ce son-là. Il a mis ce clip, il dit oui, que lui, il a fait ce clip, il a fait beaucoup d'efforts. Il a été le premier à faire certaines choses dans la musique burkinabé, mais que lui n'a pas reçu l'acclamation qu'il mérite. Et aujourd'hui, vous, les musulmans surtout, vous êtes la deuxième personne à qui je m'adresse aujourd'hui, les musulmans. Qui venait le comparer au nouveau gars. Le gars aussi, je ne le connais pas. Le gars aussi qui fait sortir son clip. Le clip est zo, oui, c'est zo. Mais ne comparons pas les deux. Razvan a aussi dit, il lui s'entend avec le petit. Ne les comparons pas. Razvan, je m'adresse à toi ici. S'il te plaît, arrête les buzz. Tu as le talent. Si tu continues avec les buzz là, ça peut te nuire. Le Burkinabé n'aime pas ça. Le Burkinabé n'aime pas les buzz. Tu vois, ils n'aiment pas. Et dans ta vidéo, tu t'adresses souvent à de grands artistes. C'est pas bien. Faut pas citer le nom des gens si tu n'as pas dit quelque chose de positif. S'il te plaît, je vois que ta carrière te tient beaucoup. Voilà, à cœur. Donc, s'il te plaît, Razvan, il faut te recadrer. Je sais pas si tu as des conseillers. Il faut essayer d'écouter. Moi, comme ça, comme je le dis, avant de faire cette vidéo, j'ai en parlé avec des gens qui connaissent bien le Burkina, qui connaissent bien la musique burkinabé, qui connaissent bien Razvan. Et il y a un qui m'a dit que Razvan a beaucoup fait. Et il dit, aimons-nous vivants. Aimons, soutenons-nous vivants et aidons-nous vivants. Donc, mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on dit dans mon cours de parentalité que j'ai fait. On dit un enfant ou une personne, quand il est bien, il fait de bonnes choses et que tu ne l'écoutes pas, tu ne le regardes pas, tu ne le prêtes pas attention, il va faire de mauvaises choses, soit consciemment, soit inconsciemment. Je crois que ce sont des recherches qui ont prouvé ça. Soit consciemment ou inconsciemment, il va faire de mauvaises choses pour que tu le prêtes l'attention qu'il veut, que tu fixes les yeux sur lui, que tu le prêtes l'attention qu'il veut et qu'il se dit qu'il mérite. Donc, moi je crois que, parce que Razvan, il l'a beaucoup fait pour la musique burkinabé, chaque artiste, chaque personne qui se donne à quelque chose, un travail, il veut voir ce travail-là évoluer. Donc si Razvan, il a fait, il travaille, il voit que nous, on ne le soutient pas, voilà maintenant, il veut devenir Eskeli. Voilà, maintenant, il a pris une autre stratégie. Mais Razvan, je suis vraiment, tu vois, cette stratégie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu te fais plus d'ennemis que d'amis. Donc, s'il te plaît, change un peu de stratégie. Voilà, il faut avoir de bons conseillers. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir plusieurs fois. Il faut être sûr que c'est une bonne chose que tu vas faire. Parce que tu risques de gâter ta carrière ou ton image. Donc, s'il te plaît, il faut essayer de recadrer ton image, avoir une bonne image. Trop calme, ma soeur. Trop calme. J'ai pas compris. Il y a une page officielle. Voilà. Romba, merci beaucoup. Il dit continue, soutien. Merci. Donc, moi, je voulais demander, Razvan, est-il mal compris? Est-il mal compris? Ou est-ce que Razvan est vraiment quelqu'un de méchant? Moi, je ne le connais pas trop bien. Il faut que j'apprenne à le découvrir. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne faisons pas comme Arafat. Voilà. Razvan, selon enfant burkinabé, regardons. Quand il va faire ce son-là, soutenons-le. Voilà, aimons-nous vivants et soutenons-nous vivants. Voilà. Donc, je vais vite voir si j'ai quelque chose sur ma note que je n'ai pas dit. Voilà, je crois que j'ai tout dit aujourd'hui. Vous arrivez à 22, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, Razvan, est-il une mauvaise personne ou est-il mal compris? Voilà. Donc, je m'adresse aussi à Razvan pour lui dire s'il te plaît. Et puis, Razvan, tu es beau. Voilà. Tu parles le français. Tu parles l'anglais. Tu parles le mossi. Tu parles, apparemment, tu es grossi. Tu parles le grossi. Et j'ai entendu que tu as une autre langue encore, je crois. Razvan, il a le potentiel. Tu as le potentiel. Tu peux être un artiste international. Donc, moi, je vais dire bravo.
Bravo, Rasband, continue. Mais ce côté qui n'est pas bien, que les gens n'apprécient pas, faut revoir ça, s'il te plaît. Il a besoin de soutien seulement. Oui, il a besoin de soutien. Certaines personnes, comme j'ai dit, les recherches ont montré, quand quelqu'un est bien, qu'on le dénigre là, il devient pire encore. Donc moi, je crois que chez nous, les Noirs, c'est ce côté-là qui m'a touché que je fais cette vidéo sur Rasband aujourd'hui. Nous, les Noirs, on a, selon moi, c'est quelque chose de négatif. Ou quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, on aime jeter la pierre. Non, ce n'est pas forcément la solution. Voilà. Changer un peu de stratégie. Et on va voir, il y a Arafat. Là. Non. Si personne ne respecte Arafat pour une chose là. Vous n'avez pas vu que c'est après la mort d'Arafat qu'on dit aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Arafat nous a appris une leçon. Ne disons pas ça juste dans nos bouches, mais pratiquons-la. J'ai dit ça hier dans ma vidéo. Tu comprends quelque chose, mais on ne la pratique pas. Et il y a des retombées, c'est pas bien. Donc, aimons Rasband, soutenons-le. Donc, je vais mettre son son, je vais danser dessus, puis je vais partir. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Passez un bon week-end. Je ne vais pas faire cette vidéo-là. Donc, le son s'attrape, les gars. Moi et Yempa, je suis ami officiel sur Instagram. On va jouer le son de... On va faire une vidéo. C'est à propos de... Excusez-moi. On va faire une vidéo. Mon portable est en train de me lancer. Alex, appelez. On va faire une vidéo, voilà, on a un débat, les femmes, voilà, les hommes, est-ce que vous donnez l'autorisation à vos femmes de, l'autorisation à votre femme de se connecter sur Internet, oui ou non, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, Alexa, play, voilà, good. Volume up, Alexa. Rasband, ok, Rasband, c'est un artiste burkinabé, ok? Voilà, il est très beau, très talentueux, il a juste besoin de soutien. Donc, aide notre frère Rasband. Rasband, je ne sais pas danser, est-ce qu'on est d'accord ou ça? Voilà, donc ça c'est pour le frère Rasband aujourd'hui. Rasband on t'aime, ok? Voilà, faut travailler, continue à barrer. Voilà, souvent on fait des erreurs, mais apprenons de nos erreurs. Voilà, donc Rasband a juste besoin d'amour, montrons-le qu'on peut l'aimer. Voilà, il chante en plusieurs langues, il est bilingue. Rasband, j'aimerais parler plusieurs langues comme toi. Voilà. Soutenons-le seulement. Suivons-le et aidons-le. Voilà. Aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Ne disons pas ça dans nos bouches, les gars. Juste dans la bouche. Pratiquons-le. Pratiquons ce qu'on prêche. Mais moi, j'aime le son. Je ne sais pas, il dit quoi, mais j'adore. Il peut aller international. Et voilà. Supportons-le. Bravo aussi à Kaya Auto. Voilà, vous les musulmans là, arrêtons de les mettre en palabre. Ne soyons pas les papatos. Les papatos qui mettent les gens en palabre sont des frères. Voilà. C'est le frère et son petit frère. Voilà, deux frères. Ah, le son est bon, mais c'est pas bon. Rasband, chapeau. Il y a quelqu'un qui a appelé, je te prends après. Je viens de danser d'abord. Je vous love, je vous kiss et je vous embrasse. Je vous aime. Voilà, je t'aime, Rasband. On t'aime. Seul l'amour va gagner, les gars. Just love. Love will always triumph. Voilà. Love will always win. L'amour, que l'amour. Voilà. Arrêtons de les mettre en palabre. Bravo, Kaya Auto. Tu as pris le kit burkinabé, la musique burkinabé. Tu as là un autre level. Donc, et bonne chance à tous les artistes qui ont fait sortir leur son aujourd'hui. Voilà, moi je ne fais pas de la musique burkinabé, mais aujourd'hui, je vais tout regarder. Je vais regarder. Je vais jouer à la maison. Sur YouTube, je vais vous donner les vues là. Soutenons-les.
Elles donnent l'air. Et elles m'ont l'air vivant. S'il y a, un problème entre eux, elles donnent. Les musulmans, arrêtez. Arrêtez de la comparer. Voilà. Ça fait mal à Razman de s'attacher. Voilà, j'ai oublié Razman. Arrête de fumer. Apparemment, c'est la bête, tu fumais. Arrête. Tu as dit dans ta vidéo que tu es un influenceur. Tu es influenceur. Il faut être un influenceur positif. S'il te plaît, Razman. Sois un influenceur positif pour ta génération. Pour les gens qui te regardent. En fumant la beurre devant tout le monde, en fumant devant les gens ou en insultant, ça ne va pas aider. Voilà, tu vois, que tu fais des ennemis. Donc, merci à tout le monde. Je vous love, je vous kiss, je vous embrasse. Je vais prendre cette personne qui a appelé, s'il est là. Et c'est Rugo. Ok, je devais vous faire une vidéo à Rugo. Peut-être on va terminer ici en même temps. Parce que c'est trop chargé aujourd'hui. Merci à tout le monde, je vous adore. Partagez massivement pour que Razman écoute. Voilà, on l'aime. Il a ses fans aussi. Mais quand quelqu'un entend toujours de mauvaises choses sur lui, ça énerve. Ça peut le faire mal se comporter. Voilà. On t'aime, Razman. Il faut, excusez-moi. On t'aime, Razman. Il faut être, faut te calmer. Voilà. Calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de te créer des ennemis, de te fâcher. Tu connais les gens? Ils vont t'énerver. Hein? Quand tu vas parler, ils vont dire, regarde-le. Oh, regarde-le. Regarde ce qu'il fait. Mais ils t'ont énervé. Donc, calme-toi. Faut te calmer. Calme-moi. My brother. I speak English, Razman. I speak English and I'm your sister. So please, calm down. Calm down. We love you. You have fans. Yes, you have haters. But you also have fans. And you have a new fan here. Okay? From today on, I saw your video this morning. From today on, I'm your fan. Voilà, je vais laisser comme ça. J'espère que j'ai rien oublié même. Alexa, play. Voilà. J'ai fini, les gars. Au revoir. J'ai appelé la personne, il n'a pas décroché. Personne n'a appelé encore. Je vous goûte, mais j'essaie de danser ton son. Je suis occupée, mais il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Je voulais laisser le son. On m'a dit de le faire parce que tous les artistes là, ils vont faire sortir leur son. Je vais vous soutenir, mes frères Burkinabé. C'est le Burkina qui gagne. Je devais porter mon Ken Burkinabé là-même. Et toi, Rugo, là, tu as choisi moi. Je t'ai pris deux fois, tu n'as pas décroché. Donc, Rugo Boss, c'est un Burkinabé aussi. C'est un blogueur. Voilà, il y a une page officielle aussi qui est un blogueur. Il y a Flo Flo qui est un blogueur. Voilà, il y a Romy de Massac, il y a Wopson Comedy. Et puis, il y a la grande soeur. Les jumelles connaissent collection. Il y en a sur Burkina Faso. Ce sont ceux que je connais. Soutenons-nous vivants. Et à moi, ami officiel. Et aidons-nous vivants. Le son de mon frère, ça jamais, ça jamais pas. Merci à tout le monde. Merci pour les vues. Merci pour les partages. Tu as chaud à moi, tu es mon petit, toi même c'est ça. Mon petit frère chéri, mais tu as chaud à moi. Salut. Salut mon frère. Viens danser, viens danser. La joie de vivre de ça. La joie de vivre de ça.
Salut, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte super bien. Attendez, j'arrive, je vais régler quelque chose tout à l'heure. Voilà, je vois bien maintenant. Tu parlais de Ras Ben là. Ton Ras Ben là, il n'est pas, il est dans un faux. Voilà, il est dans un faux. Il n'est pas. Ok. Tu vois, non, il a hier, il a zaï, il a vraiment zaï même. Donc, on doit lui dire la vérité. Oui, j'ai dit, S'il y a il ses ne devait femmes, pas fumer. s'il y a ses femmes qui Voilà, le soutiennent j'ai dit aussi. Maniringa aussi. On m'a dit Maniringa, j'ai dit la matrice de ta mère. Donc, il a zaï, oui, c'est vrai. Il ne devait pas dire ça. Voilà, Rajoute-toi donc, une image. toi, il entend de dénigrer son frère comme ça, il entend de dénigrer son frère, ça veut dire qu'il entend de insulter les femmes de son frère, les Maniringa, les Makinde, et puis il fume en direct. Si tu vois que les gens lui ont répondu, c'est pas parce que c'est pas pour ne rien. Voilà, comme il fume et puis il insulte les gens, c'est ça qui fait que non, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont répondu. Et puis la plupart aussi, je vois qu'il est jaloux aussi. Voilà, c'est un homme qui Non, fait la comment tu vas jalousie. savoir qu'il est jaloux? Il fait la jalousie. Où est S'il la ne preuve? faisait Où est pas la la preuve? jalousie, là, il n'allait pas venir insulter les Makende, Hé! les Maniringa, Où et est puis la en preuve? fumant aussi. Hein? Où est la preuve? Quelle preuve? Que Razvan est jaloux. Il est jaloux? Oui, vraiment, il est jaloux. Il est jaloux. Il disait que oui, si les gars s'amusent, il va arrêter Ras Ben de faire son concert Tu sais, même s'il est jaloux, non. pardon, au C'est le Burkina, Burkina qui voilà. gagne. Il Il faut dit Ras comprendre Ben, que il dit si tu si. as deux enfants, un est jaloux de l'autre parce que tu l'as donné, disons ça, qu'il veut, c'est pas la peine de l'insulter, le dénigrer, qui va faire qu'il va changer, que sa jalousie va partir. Mais il faut l'apprendre autrement. Mais je dis, Voilà, donc nous, on est un peu trop ce dur avec que la je n'ai pas personne. compris, c'est que je n'ai pas compris Oui. pourquoi il dit que oui, lui va arrêter, comment dire, il va arrêter Kayaoto de faire son concert au Burkina. Il va l'arrêter Préparez, s'il de vous plaît. passer dans Non, les je crois clips. que si j'ai bien entendu, il n'a pas qu'il va le Dans les faire. Mais clips. il a dit si les femmes la jouent, si les gens jouent là, il va le faire. Je ne vais pas tout rentrer dans l'histoire, mais moi, je crois que Razvan a compris. Oui, je Razvan, sais bien, c'est comme tu une es une faute. fan de Ras Ben, je t'explique, je te parle pour que tu puisses m'expliquer la partie un peu, parce que là, je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas une chose, il faut que tu demandes aussi. J'ai demandé. Voilà, mais pourquoi Ras Ben dit, si Kayoto s'amuse, il va l'arrêter de faire concert au Burkina Faso, et puis il ne va plus passer dans les maquis pour faire les soirées ou bien c'est quoi? Pourquoi il dit ça? Non, moi je l'ai dit, il a ses propos qui ne sont pas bien, qu'il doit changer. Donc c'est pour ça que c'est venu ensemble sa petite soeur, sa femme Voilà. là. Pour le dire, s'il te plaît, il faut doser un peu tes propos. Voilà, il faut. Tu es un homme public. Et si tu vas aller loin à l'international, tu peux porter le drapeau du Burkina côté musique. Tu as ce Effectivement. potentiel là, Hasben, tu as ce potentiel. Donc s'il te plaît, les buzz ne vont pas t'envoyer loin. Voilà. Le diable, là, il te donne avec la main droite, mais il prend avec Effectivement. la main gauche. Donc, fais très attention. Si les buzz, là, te donnent un peu pour un temps, là, prends là, ça va chuter. Donc, faut te calmer, s'il te plaît. Donc, je pense que toi, ton Ras Ben, parce que tu le soutiens beaucoup, tu es un fan de Ras Ben, donc tu peux lui dire, il n'a qu'à arrêter de faire son jalousie et puis d'arrêter d'insulter les gens en public comme ça, de fumer la drogue en public, parce que c'est pas bon. Donc, s'il arrête ça là, tu n'as plus problème avec lui, non? Si j'aille encore, j'ai problème avec lui. Non, Si j'aille pas, j'ai pas problème mais avec lui. quand ils font plus de cette vidéo-là, c'est que un Razvan arrête, et que deux, les Millimans arrêtent de les comparer, ok? Et d'essayer d'énerver Razvan. N'énervez pas vos frères aussi, vous aussi. Hein? Même tout le monde, c'est pas Ras Ben seulement, même tout le monde. Moi, je suis là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, voilà, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais une fois que tu zailles là, on vient, on te dit la vérité, c'est comme ça. Non, Ras mais nous Ben, il aussi, a quand zaillé, on lui a je dis dit la la vérité, c'est vérité. souvent trop dur. Et les gens J'ai plus qui de n'arrivent pas à problème supporter, avec lui.
Si il jaille encore là, on vient, on lui dit la vérité et puis ça va nulle part. Voilà. Et puis je pense encore que Rasben là, il ne peut pas arrêter Kayawoto de faire ses concerts au Burkina. Non, il ne va pas le faire. Il peut pas arrêter Kayawoto aussi de rentrer au Burkina. Ça, c'est pas. Il n'est pas si mauvais que le français. Apparemment, mais Rasben fait beaucoup de buzz pour aider même ses fans. On dit souvent quand il parle de Milo là, c'est pas pour passer des tests sur Milo. Apparemment, il s'entend derrière. Non, que c'est juste pour faire un buzz. Mais c'est pour ça, je dis, le buzz ne paye pas à long terme. À long terme, là, le buzz ne paye pas. Donc, mon frère, Rasben, s'il te plaît, faut te calmer. Tu fais beaucoup pour voilà. La vie du Burkinabé, on le sait. Moi, je te connais grâce à tes buzz. OK? Mais, c'est pas bien. OK, c'est gentil. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer encore. Pour non, il n'y a plus de participer. Personnes. Moi aussi, je dois partir. Donc, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. C'est gentil. Moi aussi, merci. Je dois rentrer parce qu'il est déjà l'air pour moi aussi. OK. Ton ciel là-bas, c'est très beau. Hein. C'est très bleu, très beau. Ah bon, merci beaucoup. Je suis venu au terrain pour venir jouer. Mais bon, du coup, j'ai allumé mes directs là. Ils ont déjà joué pour me laisser. Donc, je rentre à la maison comme ça. OK. Passez un bon voilà, donc. Merci voilà. Beaucoup les gars, partagez le direct et puis likez aussi pour nous encourager pour, dans le travail aussi, c'est important. Oui, oui, merci beaucoup. Donc, voilà, merci beaucoup. Allez. C'est comme ça, vous allez nous encourager. Merci. Ok, merci beaucoup. À plus. Tout le monde. Voilà. Et que la semaine qui commence demain se passe très bien pour vous. Que Dieu vous bénisse. Thank you, à ce soir. Merci, Marion de Soleil, à ce soir. Voilà. Au revoir. Merci, mon frère. Bye. Ok, Alex a appelé. C'est Buzz Rasben son objectif. Oui, quand j'ai vu, il cherche beaucoup de buzz. Son objectif, c'est conquérir le monde et pousser ses collègues à travailler davantage. Je pense qu'il est mal compris. Moi aussi, je le pense. Jusqu'à preuve de contraire, je le pense. Je vois un buzzer. Si on s'amuse là, voilà, il y a la grande soeur qu'on aime. Il y a une grande soeur qui a fait une vidéo de CNE. Elle dit ça, on s'amuse là. Que, on a vu Rasben, il a mis Poutre sur lui, non? Et ça, c'est rien. On va avoir pire. Les gars, donnons-le l'amour qu'il mérite. Oh. Donnons-le les vues qu'il mérite, le support qu'il mérite maintenant. Avant que notre frère, le fils de nos mamans Rasben là, avant que ça pète, que ça va grave. Voilà, donnons-le cet amour là. Donc, au revoir. Merci. J'espère que Rasben, tu vas voir cette vidéo là. J'espère que tu vas apprendre quelque chose de cette vidéo. Merci. Et nous les musulmans aussi, j'espère qu'on va apprendre quelque chose. Merci. Bon week-end encore. J'ai beaucoup de joie. Je vous dis au revoir depuis et puis c'est toujours là. C'est parce que je vous love. C'est parce que je vous kiffe. Voilà, c'est un peu ça. Au revoir.